On a vu des photos de Kris Jenner, de Khloé Kardashian, de Kim Kardashian, de Kylie Jenner. Mais je sais déjà qu'il y a un ingrédient dedans qui me fait grave flipper. Et ma langue est bleue. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester les vitamines des Kardashians Sugar Bear Air. Bien évidemment je sais que ce sont pas les Kardashians qui ont créé ces vitamines, mais ce sont les Kardashians qui les ont largement popularisées. Alors grosse précision avant de commencer la vidéo, j'ai déjà testé les vitamines sur un mois, je vais tout vous mettre dans la vidéo. J'ai tourné cette vidéo en deux parties, une première partie que j'ai tournée en octobre où je découvre les vitamines, où je les teste au goût, je vous dis quel goût ça a, où je vous donne mes premières impressions, le unboxing, comment ça se présente, comment ça arrive, etc. Et une deuxième partie que je tourne du coup aujourd'hui avec la moi du présent où je vais vous donner tous mes retours et les résultats, comment ça s'est passé, les effets secondaires, etc. Comme ça vous aurez une revue super complète. Bien évidemment avant de commencer la vidéo tu peux t'abonner à la chaîne, ça me fera trop plaisir, tu peux liker la vidéo et tu peux me suivre sur Instagram. Gros disclaimer, le produit dont je vais vous parler ce sont des vitamines, je ne suis pas médecin, je vais juste vous donner mon expérience. Le truc c'est que si tu veux tester ce produit ce sera à tes risques, si tu sens que tu as une santé fragile ou quoi, il vaut mieux consulter un médecin avant de prendre ces vitamines. Et c'est parti, là je vous laisse avec la première partie où je découvre le produit. Hello tout le monde, on se retrouve pour la première partie de ma vidéo où je vais tester les vitamines des Kardashians Sugar Bear Air. Alors là dans cette première partie on est en octobre, j'ai pas encore testé les vitamines, je vais les découvrir avec vous. Vous inquiétez pas, normalement dans la vidéo que vous serez en train de regarder là maintenant, vous aurez les deux parties, donc la partie de maintenant où je découvre et la partie que je vais tourner après où je vais vous donner les résultats. Vous aurez tout dans la même vidéo. Donc voilà, et dans cette première partie ce qu'on va faire c'est découvrir les vitamines. Alors du coup moi j'ai reçu donc les vitamines hier après-midi, je suis super contente. Je vais déjà commencer par vous expliquer ce que c'est Sugar Bear Air, au cas où certains connaissent pas. Donc déjà je vais vous montrer l'emballage. Sugar Bear Air en fait c'est tout simplement des vitamines capillaires pour la pousse des cheveux, elles sont vraiment spécialisées pour la pousse des cheveux et ce sont des vitamines en forme de bonbons ourson bleu. Donc c'est ça qui était assez particulier. Je crois que maintenant il y a Airburst aussi qui fait la même chose et je crois que justement Airburst ou je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai une photo quelque part là, est beaucoup plus connu en France que Sugar Bear Air, mais aux États-Unis c'est le truc à la mode pour la pousse des cheveux. Et du coup ce sont des vitamines qui ont été majoritairement connues parce que pendant une longue période il y a eu une grosse campagne de communication avec toute la famille Kardashian. On a vu des photos de Kris Jenner, de Khloé Kardashian, de Kim Kardashian, de Kylie Jenner. Quasiment toutes les Kardashians ont été payées donc du coup pour faire la communication de ce produit. Et bien évidemment bah, comme elles ont toutes de longs cheveux noirs bien brillants, forcément ça a donné envie bah, à la majorité du public. La majorité d'entre nous quand on entend Sugar Bear Air, on pense à qui? À Kim Kardashian et Kylie Jenner forcément. Il y a quand même beaucoup de personnes qui dans l'inconscient collectif pensaient que les Kardashians avaient participé à la fabrication de ce produit alors que pas du tout. Sugar Bear Air c'est une entreprise complètement indépendante. La CEO s'appelle Nicole Knightley et j'ai regardé sur internet les chiffres de l'entreprise. C'est une entreprise quand même qui a gagné des millions et des millions de dollars qui ont été quand même pas mal dépensés en promotion des Kardashians parce que clairement les promotions des Kardashians, on parle quand même sur des centaines de milliers de dollars, voire des millions pour les plus grosses campagnes. La marque a vraiment fait en sorte de faire parler d'elle en utilisant les influenceurs, qui fait que c'est devenu vraiment l'une des marques les plus à la mode sur le Instagram américain. Vous la voyez de partout un moment cette marque-là sur le Instagram américain. Concernant les promesses de ces vitamines, on a donc déjà nourrir les cheveux, augmenter la résistance des cheveux, limiter la casse, améliorer la santé des cheveux et ils ont bien précisé que ça n'a pas d'effet sur le reste du corps. C'est très bien parce que la majorité des vitamines quand tu vas les acheter à la pharmacie en général ça peut aussi te faire pousser les ongles et aussi des fois certains effets des produits qui font pousser les cheveux c'est aussi d'avoir du duvet, des poils. En tout cas là ils ont bien dit qu'il n'y a pas d'effet sur le reste du corps, c'est vraiment des vitamines qui sont target sur les cheveux. Je sais pas comment ils font pour le coup mais bon, c'est une cure qui est sur 60 jours et tu dois prendre 2 comprimés par jour. Point numéro 1 du marketing de ces vitamines, c'est que ce sont des bonbons, ce sont des gommes à mâcher. Et en fait, eux, ils te disent pourquoi des gommes à mâcher. Bon, déjà, parce que c'est attirant, ça, ils l'ont pas dit, mais clairement, ça se voit que c'est attirant, c'est des bonbons bleus, tu sens que c'est des Américains, quoi. Ils disaient que comme ça a bon goût et que c'est super bon, tu n'oublies jamais de les prendre. Alors qu'en général, les vitamines, on le sait, on oublie toujours de prendre. Concernant les conseils d'utilisation, ils disent donc que le dosage recommandé, c'est de 2 oursons à mâcher par jour, comme je disais, et c'est à prendre lorsqu'on le souhaite. Donc, que ce soit le matin, l'après-midi, etc. voie orale. Et ensuite il précise, tout le monde peut manger des compléments alimentaires Sugar Bear Air, cependant nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin si vous avez un problème médical connu, si vous êtes mineur, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Bon, c'est pas du tout mon cas, je suis allée carrément sur le site parce que sur Sugar Bear Air en fait ça arrive comme ça, t'as pas de boîte. Donc la liste des ingrédients, j'ai trouvé ça très intéressant. Autant je le fais pas dans tout, regardez les listes d'ingrédients parce que je t'avoue des fois je comprends rien, hein. je reste une personne normale, mais là comme c'est des trucs que je vais quand même
avaler. C'est pas des trucs que je vais juste mettre sur ma peau ou dans mes cheveux, même si je sais que le corps il ingère tout. Hein. Là, c'est des choses que je vais avaler. Donc j'ai regardé la liste des ingrédients, et dans la liste des ingrédients, on a donc du sirop de glucose, du sucre, de l'eau, de la pectine, de l'acide citrique, du sodium, du citrate, des arômes naturels. Ensuite, ils te disent que pour la couleur, t'as du dioxyde de titanium et du bleu 1. Et ensuite, t'as de l'huile de coco et du carnauba wax. Je vous avoue que il y a un des ingrédients dans ça. Je vais dire aucun plus ni moins pour le moment, mais je sais déjà qu'il y a un ingrédient dedans qui me fait grave flipper. Concernant le packaging, bon, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une petite boîte comme ça, hop, avec écrit Sugar Bear Air. On est d'accord qu'ils ont été doués à un niveau packaging, c'est quand même hyper mignon, c'est super joli, c'est une jolie boîte, c'est très très instagrammable, t'as un petit nounours, c'est méga mignon. Et maintenant, moment fatidique, vous pensez bien qu'il va falloir les goûter ces vitamines. Et j'ai hâte de savoir quel goût ça a, parce que sur Instagram, les Kardashians, elles arrêtaient pas de dire que c'était méga bon. J'espère quand même pour elles que c'est vrai, que c'est la vérité et que c'est quand même vraiment bon. Ouh, ok, donc là j'ai à peine ouvert le truc, on a vraiment une très 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 forte odeur de bonbons qui a rempli la pièce. En fait, limite, je peux poser le truc dans mon salon et j'ai un désodorisant de bonbons. Là, j'ai une senteur bonbon. Perso, j'adore les bonbons, mais si de là, je sens l'odeur de bonbons, je flippe un peu. Ouais, ça sent vraiment méga fort le bonbon. Par contre, ça me donne l'eau à la bouche parce que moi, je suis gourmande, j'adore les bonbons. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, ce sont des bonbons tout bleus. Je vais en prendre un, du coup. Enfin, je vais en prendre deux, puisqu'il faut en prendre deux. Oula, pas tout ça, pas tout ça. Voilà, je pense que vous voyez, c'est vraiment des petits bonbons oursons. Là, je vais tester, je vais goûter. On va voir déjà si c'est bon au goût. Le but, c'est que ce soit efficace, mais leur campagne de communication, quand même, c'est que c'est super bon au goût, apparemment. Mmh. Oh my god, c'est grave bon. Ah, c'est excellent, c'est hyper bon. C'est vraiment, si t'aimes les bonbons, ça a vraiment un goût de bonbon. Du coup, je vais en prendre deux, donc je vais prendre mon deuxième. Ça me choque parce qu'il y a un des ingrédients qui m'embête, mais en même temps, c'est méga bon. Et si en plus, ça peut faire pousser mes cheveux. Bon, par contre, la chose qui m'inquiète, c'est que je vais devoir manger deux bonbons par jour. Est-ce que je vais devenir obèse? Et ma langue est bleue. Ma langue est bleue. Alors que j'ai mangé deux bonbons, ma langue elle, et je les ai pas sucés, j'ai juste mangé deux bonbons. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en France on fait très rarement des aliments bleus, tout simplement parce que dans certaines cultures le bleu c'est vraiment associé au poison, et en France ça l'est, le bleu c'est associé au poison. Donc t'as très rarement des aliments qui vont être de couleur bleue. Et on sent vraiment que voilà, c'est pas un produit qui target les Français. Aussi en France, en général, on met pas autant de colorants. Ah oui, je précise aussi, très très important, Sugar Bear Air a bien précisé que si tu veux que tes cheveux poussent, il faut que tu fasses une cure de 3 mois. Sauf que je suis loin d'être un pigeon, je vais pas aller acheter une cure de 3 mois alors que le premier mois je vois aucun résultat. Normalement d'ici un mois, même si mes cheveux n'ont pas forcément poussé, ils doivent être un petit peu plus forts parce que je vais prendre des vitamines tous les jours. J'aurai moins de casse normalement, ils seront moins fourchus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des petites photos avant après pour vous montrer un peu l'état de mes cheveux, comment ils sont, pour que vous voyez comment sont mes cheveux avant la cure. Normalement d'ici quelques minutes après la suite de cette partie là, on sera en novembre et vous pourrez voir donc les résultats et si mes cheveux ont réellement poussé. Donc c'est ce qu'on va faire, on se retrouve d'ici un mois pour moi et d'ici quelques minutes pour vous. A tout de suite. Alors on se retrouve un mois après. Et là au moment où je tourne cette partie, on est en novembre, donc c'est le même jour où j'ai tourné l'intro que vous avez vu au tout début. Alors comme je vous ai dit au début, aujourd'hui je vais vous donner les résultats finaux. J'ai vraiment suivi la cure à la lettre, ça a super bon goût. Donc forcément c'était ma petite récompense, chaque jour j'allais prendre mes bonbons. C'était même pas en mode je vais prendre vitamine pour que ça fonctionne, c'était vraiment en mode ah oui aujourd'hui faut que je prenne mes bonbons. J'ai même pas eu de rappel à mettre, j'ai pu donc finir la cure. Petit rappel quand même, je précise, Sugar Bear Air, pour voir des résultats sur la longueur, t'es censé faire la cure pendant 3 mois. Du coup là je vais vous faire mes retours, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs. Voilà, donc du coup concernant les points positifs, comme je vous ai dit, c'est que ça a méga bon goût. Je pense que vraiment on est sur le premier point positif du truc. Ça a un goût excellent, c'est un goût de bonbon. Oui c'est un goût méga chimique, mais clairement c'est super bon, c'est bien sucré, t'as envie de les prendre quoi. Un autre point positif aussi, c'est que j'ai constaté que mes cheveux ils étaient beaucoup moins cassants en fait.
Genre, j'ai mes pointes qui se cassent moins quand je suis sous la douche. Moi, comme j'ai les cheveux bouclés, ils ont tendance des fois à s'effriter un peu au bout, ce qui est pas très bon. Du coup, je les taille très très souvent. Mais là, j'ai l'impression que mes cheveux, j'ai l'impression que quand je touche mes cheveux, je les sens plus solides. Alors que moi, j'ai les cheveux déjà bouclés et ensuite décolorés. Du coup, ils sont vraiment hyper sensibles. Concernant l'aspect à la caméra, là, je trouve que ça se voit pas spécialement, mais je les trouve quand même plus brillants puisque moi, je les connais bien mes cheveux. Et quand je vais dans la salle de bain, je trouve qu'ils ont un aspect quand même beaucoup plus brillant que d'habitude. Je n'ai rien noté d'autre comme changement, mis à part ça, enfin voilà, pour moi c'est les changements, et pour moi c'est ça les points positifs essentiels, c'est que ça avait bon goût et je sens mes cheveux un petit peu plus forts, ce qui est quand même bien. Par contre, malheureusement, il y a plus de négatifs que de positifs dans ce produit pour moi. Alors déjà, bah, premier aspect négatif, c'est le fait que ce soit aussi sucré. C'est un aspect positif, oui, mais aspect négatif, c'est que vraiment j'avais réellement l'impression de manger deux bonbons par jour, ce qui, je pense, est pas terrible pour la santé, je sais pas. Moi, je sais que bon, des fois ça m'arrive de manger un paquet de bonbons, mais je mange pas un paquet de bonbons par mois. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression que ben, j'ai quand même mangé deux bonbons bien sucrés par jour. Je sais pas si c'est très bon pour la santé, je sais pas. Ça dépend sûrement de ton alimentation, mais eux en même temps ils disent que t'as pas spécialement besoin de consulter un médecin, sauf si t'es enceinte ou que t'es mineure ou quoi. Autre point négatif, c'est que eux, dans la notice, ils te disent que tu peux prendre ces vitamines à n'importe quelle heure. Sauf que ben, ça reste des vitamines et effectivement, moi ça m'est arrivé de les prendre vers 16h et ensuite c'était impossible pour moi de m'endormir le soir. Donc là on est vraiment sur des vraies vitamines. Ça m'amène en plus à un autre point négatif, c'est que le fait que ce soit cet aspect bonbon comme ça, ça t'incite à vouloir en manger d'autres. Sauf qu'il faut surtout pas le faire et je pense que c'est contre-indiqué et que tu peux même avoir de très gros risques à surdoser et à prendre plus de vitamines. Et c'est écrit, les vitamines Sugar Bear Air sont des compléments alimentaires scientifiquement testés, faciles à utiliser et ce quel que soit le type de cheveux pour les hommes et les femmes. Nous avons créé une formule riche en nutriments composée de vitamines complexes pour les cheveux. Et après, il y a une petite étoile avec écrit « Ces affirmations n'ont pas été évaluées ni par l'Agence nationale de sécurité, sécurité du médicament, ni par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de produits de consommation. » Donc voilà, c'est écrit en tout petit, ils ont bien backup leurs arrières parce que ça fait quand même un petit peu flipper. Ensuite, concernant des effets secondaires éventuels, perso j'ai pas ressenti d'effets secondaires, mis à part que ben, quand je les prenais l'après-midi, ben forcément j'étais beaucoup plus agitée, ce qui est je pense normal si tu prends des vitamines tard. J'ai pas l'impression que mes cheveux ont poussé, mais bon, j'ai les cheveux bouclés, mais donc du coup un coup ils remontent, un coup ils remontent pas. Moi, j'ai pas l'impression spécialement que mes cheveux ont poussé, et en même temps en un mois ça aurait été quand même énorme, surtout que les cheveux bouclés ont tendance à pousser je crois de 1 cm ou 1 demi-cm de moins, donc ça m'a pas étonnée. Sauf que moi en général j'ai les cheveux qui poussent quand même relativement vite. Donc écoutez, je sais pas. Pause, alors c'est moi au présent au montage. Maintenant du coup je sais parce que quand j'ai fait cette vidéo, j'avais regardé juste les photos avant après sur mon téléphone. Je les avais pas mises côte à côte. Et au montage, en les mettant côte à côte comme vous voyez, je vois qu'il y a une petite différence, donc je pense qu'il y a eu une légère pousse. Donc ça c'est cool, donc je le mets en point positif. Oui, effectivement mes cheveux ont un petit peu poussé. Ensuite, dernière chose dont je voulais vous parler et qui est néanmoins très très importante, je rajoute en point négatif et qui est pour moi la chose la plus importante de cette vidéo. Je vous en ai parlé en octobre quand j'ai commencé la première partie de la vidéo, mais j'ai pas voulu m'étendre parce que je me suis dit bon, je garde ça pour la fin. Je voulais vous parler d'un des ingrédients qui est dans ces vitamines. Dans ces bonbons, on a un ingrédient qui s'appelle le dioxyde de titane. Donc je vais vous lire exactement ce qui est écrit, c'est un article qui a été écrit il y a 7 mois. Le dioxyde de titane, c'est un additif très utilisé. Il sera interdit en France à partir du 1er janvier 2020. Il serait nocif pour la santé. En effet, le risque cancérigène de cet additif n'est pas écarté. Cette interdiction ne concerne ni les produits de beauté, ni les médicaments. Sauf que, je précise quand même que j'ai lu dans un autre article que le dioxyde de titane sera banni en 2020 des produits alimentaires. C'est quelque chose que tu avales, donc, et en plus pour raison cancérigène, donc ça m'a fait flipper, surtout que j'ai quand même avalé 60 comprimés contenant du dioxyde de titane. Donc voilà, ça m'a beaucoup alertée. Je vous le précise, pareil, ma chaîne n'est pas spécialisée décryptage de produits ou je sais pas quoi. Comme la majorité d'entre nous, on essaie de se renseigner un petit peu plus sur ce qu'on avale, etc. Surtout que moi je fais des vidéos, donc j'essaie quand même de me renseigner pour pas que vous alliez acheter des bêtises. Si t'es plus renseigné que moi sur le dioxyde de titane, n'hésite pas à me mettre tout ça en
commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez testé ces vitamines. Comme je vous ai dit, moi dans mes vidéos je teste, je suis toute seule, je suis absolument pas une professionnelle de la santé ni quoi que ce soit. Donc je vous demande toujours vos retours à vous, comme ça on s'échange les avis. Et il n'y a pas que mon son de cloche, ça peut ne pas avoir fonctionné sur moi et ça peut fonctionner très très bien sur une autre personne. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à mettre en commentaire toutes vos expériences avec Sugar Bear Air. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne et me suivre sur Instagram. Le compte Instagram du jour, c'est Lily Punk. Apparemment, elle a aussi une chaîne YouTube et son Insta, il est méga coloré. Moi, j'aime trop. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si toi aussi, tu veux que je mette en avant ton compte Instagram à la fin de ma prochaine vidéo, il te suffit de me suivre sur Instagram, de liker mon dernier post et de commenter en disant que tu vas apparaître dans ma prochaine vidéo YouTube. Aujourd'hui, je fais une dédicace à Erin Seri. Salut Erin, bah voilà, t'as demandé, t'as eu ta dédicace. J'espère que tu vas bien. Je te fais un très gros bisou et merci beaucoup de ton soutien et de regarder les vidéos. Je fais aussi une dédicace à Nour Bendemag. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. J'ai pas envie de dire d'erreur, en tout cas ton commentaire est affiché. Je te fais un très très gros bisou, merci beaucoup de ton soutien, c'est super sympa, ça me fait trop trop plaisir. Et enfin je fais une dédicace à Titia, je pense que c'est Titia ou Titia. Hello Titia, écoute, je suis venue qu'une seule fois à Nice et c'était magnifique, t'as beaucoup de chance de vivre là-bas. En tout cas voilà, je te remercie beaucoup de regarder mes vidéos et je te fais un très gros bisou. Et si vous aussi vous voulez une dédicace à la fin de ma prochaine vidéo, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker la vidéo et de mettre en commentaire que vous aimeriez passer dans ma prochaine vidéo YouTube. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.